Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être présentation ou des nouvelles des poules de ma grand-mère. Alors je pense que ça va être présentation des poules de ma grand-mère. Alors voilà, là c'est le matin, c'est l'heure de la sortie des poules et je vous montre ça tout de suite. Alors là quand je les sors le matin, vu que c'est moi qui garde chez ma grand-mère, et je commence par nourrir les poules. Alors voilà, elles mangent du blé et du maïs. Alors il y a des poules qui sont hyper peureuses et d'autres beaucoup moins. Alors voilà, il y a des chamailles et tout. Et en fait, j'en profite de vous les filmer maintenant, vu que les poules de ma grand-mère, il y en a, elles sont hyper peureuses et vous les verrez jamais. Alors là, on est au parc des grosses poules, mais il y a quelques poules naines qui se sont rajoutées. Alors voilà. Alors pour information, toutes les poules naines sont les miennes. De mon ancien élevage. Enfin voilà. Et toutes les grandes, ils sont à ma grand-mère. Alors voilà. Alors premièrement, là, il y a le coq dominant avec toutes ses poules. Une babée qui était à moi avant. Comme ça, vous les voyez bien. Je suis super content parce que dans le champ, elle court comme l'autre là-bas. C'est vraiment l'enfer. Alors là, il y a plein de poules. Avec une race, là, je sais plus c'est laquelle. Lui, c'est un jeune coq. Avec là, c'est une cayenne à moi aussi. Alors voilà, je vais pas trop les affoler vu qu'elle. C'est pas super cool. Alors voilà, en plus commence à faire beau, super cool. Alors voilà, là il y a ma petite poule. C'est une soie croisée Pékin. Voilà, elle va super bien. Alors ouais, c'est pas mal gadouillé et tout parce que en Normandie, il pleut de ouf. Alors là, il y a une de mes enfants qui est ici. Là, il y a mon coq de mes enfants, si vous vous souvenez. Là, il y a une cayenne à moi. Là, il y a une petite babette à moi aussi. Une poule naine. Alors là, elle se goinfre à mort. C'est un truc de ouf. Voilà, voilà. Alors là, il y a Beyoncé, en fait. Coucou, Beyoncé. Elle est dans un clapier. Elle va super bien. Mon bébé. Voilà, je l'ai ramenée chez ma grand-mère, vu que j'y suis beaucoup, beaucoup. Alors là, elle est dans la cage, mais après, elle ira dans le parc. Parce que Beyoncé, elle a un parc, voilà. Qui est là-bas. Bref, je vais pas trop vous montrer. Mais voilà, voilà. Ensuite, là, il y a le futur coq dominant. Enfin, voilà, un futur coq reproducteur, en gros. Et elle a racheté des poules rousses, comme ça. Je savais même pas. Elle me l'a même pas dit. Or, voilà, ça mange de partout. Là-bas, également. Dites-moi si ce genre de vidéo vous aimez et tout, parce que voilà. Je vais en faire pas mal. Voilà, voilà. Alors, elle élève surtout les poules comme ça, là. Vous voyez? Genre, là, c'est vraiment la race qu'elle commence à élever. Alors, je suis super content. Bon, je fais gaffe parce que mon pantalon, il va avoir une de ses têtes à la fin. Oh, laisse tomber. Alors, voilà. Après, je leur ouvrirai pour aller au champ. Et puis, je vais vous montrer l'autre parc. Voilà, l'autre parc. Alors voilà pour les poules de ici. Alors je fais pas de coupure, ça va être comme un vlog on va dire. Alors là j'ouvre la porte et tout. Ça son parc il est comme ça de base. Avec là tous les clapiers et tout et tout. Voilà voilà, on se balade chez mamie, on adore. J'espère que ça vous fait plaisir. De mer c'est juste à côté, hein. Vous allez pas perdre de time. Et là-bas il y a toutes les babées, tout ce qui est poules naines, poules d'ornement etc. Et le canard aussi, pour la même occasion. Et encore des grosses poules. Alors eux, ils vont vachement se cacher. Alors là, il y en a une. Là-bas, il y en a un autre. Un de mes coqs avant. Mais eux, ils se barrent dans le champ. En fait, ils ont pas le temps. Ils attendent même pas que j'arrive. Ils se barrent direct dans le champ. Et là, il y a tout le reste avec le canard. J'ai essayé de vous les montrer, mais genre... Ça va être la fin de la vidéo par ici. Ah ! Je me prends dans le grillage. Flemme. Alors là, il y a une cayenne qui part en courant. Un de mes coqs reproducteurs avant. Lui, il vient de chez ma grand-mère. Là, il y a un petit coq à moi. Une petite poule à moi derrière. Une coupelée naine de ma grand-mère. Enfin, une counue. Et il y en a d'autres aussi. Voilà, je vous ai quand même fait pas mal le tour. Et sinon il y a l'autre qui est tout au bout là-bas et les autres caïens qui se sont barrés. Et en fait ils passent par le trou du grillage, là en fait il y a un trou et ils passent
pour accéder à l'autre côté. Ah, et là, il y a une cougnou aussi. Qui se tabasse. Parce qu'elle est même pas de ce parc-là, normalement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à plus pour de prochaines folles vidéos. Bye tout le monde!